En quelques mots, l'enjeu de ce match, c'est la qualification pour la phase suivante de la compétition. Et c'est dans un instant. Si vous aimez le spectacle, vous n'allez pas être déçus. Ce soir, l'ambiance est exceptionnelle. Dans la cabine donc de commentateurs, à mes côtés et pour vous servir, Omar Da Fonseca. Dernière journée de phase de groupe pour cet Euro 2024. La Roumanie affronte l'Allemagne. Le plus important, c'est de rêver. Si l'homme descend du singe, le foot descend du songe. Voici la composition de la Roumanie. Ça joue dans 5-4-5 ans assez conventionnel. Beaucoup de monde au milieu pour essayer de garder le ballon le plus possible. Une possibilité là pour centrer. Il y a de l'idée sur le centre, mais c'est pour le gardien. Voici le 11 qui va débuter pour l'Allemagne. Le but est gardé par Manuel Neuer. Jonathan Tah avec Antonio Rüdiger en défense centrale. Toni Kroos sera épaulé par Gundogan au milieu. Et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Allez, sur le côté pour amener le danger. Et attention, à ce centre. Attention, il y a danger. Ah, il est bien placé pour marquer. Oh, voilà, 1-0 déjà. Ça ne traîne pas. Un but très vite dans cette rencontre. Quelle belle manière de débuter ce duel. Sa priorité, ce n'est pas de dribbler, mais cadrer. C'est une sabatasse. Un coup de savate vers le but. Validé par tous les forgerons. C'est reparti dans cette rencontre. L'Allemagne est menée d'un but. Florian Wirtz, il peut frapper, Wirtz, et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Là, ça sort en touche pour l'Allemagne. Ah oui, il y a la place pour un bon centre, au premier poteau, il y a des possibilités. C'était bien tenté, mais le gardien est bien placé. Le pressing paye, ballon récupéré très haut. Le tir peut-être pour égaliser. Et oui, le bon réflexe. Encore un arrêt du gardien qui capte bien le ballon. Ragusin. La Roumanie laisse échapper ce ballon. Attention, il y a danger là. À l'attaque est déjouée, ça n'ira pas plus loin. La faute est signalée et l'arbitre justement accorde le coup franc. Et le joueur s'en sort finalement plutôt bien sur cette faute. La faute vient siffler, mais rien de plus. Même pas un petit carton jaune sur cette action. Et le ballon change de propriétaire. Le ballon pour Kai Havertz. Interception décisive dans la surface. Olarou. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. L'attaque et le danger se rapproche avec Joshua Kimmich. Magnifique ce contre. L'Allemagne qui récupère le ballon. Le bloc est reculé pour inviter l'adversaire à laisser des espaces.
Florian Wirtz. Et ça arrive pour Toni Kroos. Gundogan. Et oui, l'égalisation viendra avec la patience et sans se précipiter. Florian Wirtz. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Gundogan à la réception. Et oui, pour Kimmich. Florian Wirtz. Le gardien s'interpose, quel arrêt! À cette distance, c'est même un miracle de parvenir à détourner le danger. Le corner. Il s'est dégagé par la défense. Ouais, bonne détente verticale pour aller chercher le ballon. Et voilà un nouveau corner. Allons pour Rudiger. Attention, la faute et pénalty. L'arbitre n'hésite pas. C'est une balle d'égalisation. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. C'est dedans, le pénalty est transformé en toute décontraction. On revoit le pénalty et c'est plutôt bien tiré dans la mesure où le plongeon est très loin du ballon. Heureusement en même temps, hein, sinon le ballon finit dans ses bras. Et ça reprend après le but de l'égalisation, un partout. Stanciu. Donnarumma. C'est bien vu ça, bonne interception. Oui, bon geste défensif, touche à suivre. Skreitchou. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Moussiala. Moussiala hérite du ballon. La touche là pour la Roumanie. Et bon, ballon perdu par la Roumanie. Le ballon pour Kimmich. Ça part vers Moussiala. Intervention et donc danger écarté. Et c'est donc la mi-temps dans ce match. Les deux équipes prennent le chemin des vestiaires et dans les tribunes, grosse colère des supporters qui n'ont pas digéré ce pénalty. C'est vrai qu'un pénalty sifflé si tôt dans une rencontre, ça change complètement un match. Mais c'est fait. Et maintenant, il faut se concentrer sur la suite de la rencontre. Il reste évidemment encore une mi-temps à jouer. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Séquence de possession en attendant, en cherchant la brèche. Une possibilité là pour centrer. Bien défendu dans sa propre surface. Et il y a un contre à jouer maintenant. Pour aller fixer dans l'axe.
Ballon facile, évidemment, c'est pour le gardien. Oui, coup franc accordé par l'arbitre sur cette faute. Dans l'Allemagne qui perd le ballon là. Ah, attention, le ballon leur échappe. Une bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Il y a un gros pressing. Le ballon pour Kai Havertz. Allez, il faut lever la tête maintenant. Bien joué de la part de la défense. Le danger est écarté. Oui, il y a la place pour un bon centre. Ah, mal donné le centre, c'est facile pour le gardien. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Attention au pressing. Ah, c'est un beau pressing qui permet de récupérer. Oui, oh, il s'est bien donné en retrait dans la surface. Oh, c'est dedans, but! On le voit, comme toujours, le centre en retrait, c'est celui qui crée le danger parce qu'il prend la défense à contre-pied. Et pour conclure, la balle est catapultée dans le but. La force, ce n'est pas incompatible avec la précision et la beauté. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Coman. Ragusine. Stanciu. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Ouais, bonne intervention. Le ballon récupéré dans le camp adverse. C'est un bon centre, mais personne ne parvient à reprendre. Joshua Kimmich. Le ballon pour Havertz. C'est pour Toni Kroos. Oh, quelle intervention là! Bien joué! Voilà, peu de fraîcheur avec ce remplacement. C'est bien parti pour ce corner. Excellente prise de balle sur ce corner bien frappé. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ah, ils se font subtiliser le ballon. Strejcu. Stanciu. Eh oui, l'égalisation viendra avec la patience et sans se précipiter. Le tir peut-être pour égaliser. Eh, bonne séquence, ballon en retrait. Récupération du ballon. Avec Gundogan. Eh, bien placé pour une frappe peut-être. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Strejcu. Burka. Ragusine.
Stanciu. Alors il y a contact, mais l'arbitre fait et le face-à-face à venir. Pour le but dans les dernières secondes. Ce but de l'égalisation. Mais quelle fin de match! La souplesse de la cheville qui arrête sa course. Una vaseline par-dessus de la tête et but. La fin de ce match est imprévisible, tellement de buts, tellement de rebondissements. On espère vraiment que la suite sera aussi captivante. C'est une des dernières chances là, pour l'Allemagne de s'imposer. Ah, c'est bien fait, le centre en retrait. Oh, c'est contré! Ouais, ballon intercepté. Attention pour mener au score peut-être. Et le gardien qui écarte bien le danger. La projection dans le camp de l'adversaire. Et c'est dégagé par la défense. Stanciu. À grosse pression, ballon perdu. Florian Wirtz avec le ballon. Et nous aurons droit à 2 minutes de temps additionnel à jouer. Le ballon dans la profondeur. Ah, le corps protège parfaitement le ballon. L'occasion de prendre l'avantage. Quel arrêt, ça vaut très cher. Il permet à son équipe de conserver le match nul. En fin de match, comme ça, c'est absolument vital. Et le remplacement peut avoir lieu. Corner. Ah, c'est dommage, il n'est pas assez levé ce corner. C'est très compliqué là pour Neuer. C'est la fin du temps réglementaire qui est donc sifflé à l'instant. Et pour l'Allemagne, il faut donc se contenter de ce match nul. C'est une grosse déception évidemment, parce qu'on a vu beaucoup de bonnes choses de leur part dans ce match. Mais cette égalisation tardive est venue tout gâcher. Et dans l'ensemble, ça a été une bonne prestation de son côté. Pour lui aujourd'hui, c'est le but de l'égalisation. C'est quelque chose d'important à ne pas manquer si on veut faire le bilan.